Salut Jérôme. Enchanté. Salut. Le voyage s'est bien passé. Bonjour Jérôme. Karine. Merci beaucoup. Bon, j'ai hâte d'aller à Sainte-Lucie. Ça fait un petit peu de navigation. Ça va être chouette. Bonjour, ravi de vous retrouver. Cette semaine, je vous emmène à quelques milles marins de la Martinique où je me trouve. Nous prenons la direction de Sainte-Lucie, cette île très prisée des Caraïbes. Et puis vous allez pouvoir profiter de ces quelques plages, de son volcan, encore de son cacao. Et ensuite, nous terminerons ce voyage à la Barbade. J'aurai la chance d'aller faire une petite baignade avec des tortues. Soyez les bienvenus dans mes échappées belles. Sainte-Lucie ne renie pas son héritage anglais. Bienvenue à Sainte-Lucie. Mais elle fait de sa diversité et de sa jeunesse une vraie richesse. Mon rêve, c'est d'aller au JO en 2020. Sainte-Lucie est volcanique et luxuriante. Tu es vraiment très beau. Bien sûr que c'est fait pour moi. Gabriel, Greta et Monica m'ont réservé un accueil aux petits oignons. Et très pimenté aussi. Wow. Sur l'île de la Barbade, en bouquet final, c'est un festival de plages somptueuses et un dégradé infini de bleu qui nous attendent. Le paradis, ça ressemble à ça. Turquoise quand même, ouais. Hein, pour le moral. Donc là, on commence à voir Sainte-Lucie. Sur la gauche, là-bas, ouais. Montagne. Ouais. Ça fait combien de temps que tu es installé ici, Jean-Christophe, toi, en Martinique? Ça fait maintenant 17 ans. 17 ans, oh, en Martinique. Sur ton bateau? Sur le bateau, avec un petit pied à terre, mais essentiellement sur le bateau. C'est quand même le meilleur endroit pour faire de la voile. Presque toujours du vent, l'eau est chaude, il fait beau. Et c'est vrai que pour un voileux, c'est l'idéal. Non, il y a pas tout, tu vas nous arracher le mal. Je vois le souffle, c'est un globicéphale. C'est de la famille de quoi, des dauphins? Ouais. Ouais. Delphinidés, ouais, c'est plus gros, beaucoup plus gros, mais c'est la famille des dauphins. Il reste à côté de nous, là, c'est superbe. C'est assez fascinant, hein. Ouais, c'est... Oh, quelle chance de commencer mon voyage comme ça. Toujours très, très émouvant. Il y a une fortification là-haut, c'est quoi? Ça date de l'époque où les Français et les Anglais se disputaient toutes les îles. D'accord. Et restent ces fortifications style Vauban, en fait, uh-huh, et qui ont vraiment fonctionné. Vous pouvez affaler, s'il vous plaît, Karine. Hein? Très bien. Soyez bien urbaine d'affaler. À vos ordres. Donc là, on arrive dans la baie de quoi? Comment ça s'appelle ici? Là, c'est Rodney Bay. Rodney Bay, d'accord. Avant, c'était une baie qui n'était pas fermée. Et derrière le windsurf. Derrière ce bateau, d'accord. On va voir la presqu'île, en fait, qui a été construite par les Américains pour, pendant la guerre, abriter leur flotte dans cette baie-là. Ah! Et maintenant, c'est devenu un endroit où ils construisent d'énormes resorts. En Sainte-Lucie, c'est vraiment ça. D'un côté, les pêcheurs. Et de l'autre côté, quand tu regardes devant, les grands hôtels à l'américaine. Sainte-Lucie, une petite île en forme de mangue.
45 km du nord au sud et pas plus de 25 d'est en ouest. De l'océan Atlantique à la mer des Caraïbes. Ici, turquoise et azur enveloppent la nature émeraude. Agriculture et tourisme sont les principales ressources de l'île. Bienvenue à Sainte-Lucie. Alors, Sainte-Lucie a pris pour devise la lumière, la terre et le peuple. La terre, la lumière, le peuple. La terre pour cette île la plus belle des Caraïbes. Le peuple, car nous sommes si sympas et si charmants. Et la lumière pour le soleil, évidemment. Tout de suite, il fait quoi ? 30 degrés ? Et la température ne descend jamais en dessous. Fils et fille de Sainte-Lucie, aimez notre île maison. Ainsi commence l'hymne national. Solange a grandi ici. Aujourd'hui, elle partage son temps entre son île et le Canada. Lorsque le soleil se reflète sur l'eau, il éclaire le monde sous-marin. Ça fait des étincelles partout. J'ai grandi à la plage. Plus jeune, j'y étais tous les jours. C'est l'avantage de vivre sur une petite île. Il y a toujours une plage à 5 minutes, où que vous soyez. À Sainte-Lucie, on a des plages de sable noir. Parce que c'est une île volcanique. La lumière et la terre. Deux pitons volcaniques s'offrent au soleil. Ses rayons percent la canopée. La nature est si luxuriante qu'elle ploie sous sa terre fertile. Sainte-Lucie est le panier des Caraïbes. En haut d'une montagne, une famille cultive 19 hectares de terre. Je suis Marianne, la reine de la montagne. Je suis le père des enfants. Je suis Chazemate et j'aime la campagne. We are the Matters, the royal Rasta family from Saint-Lucia. One love. Les 13 enfants de James et Marianne sont tous nés à Sainte-Lucie. Ils vivent et travaillent en famille. On a des bananes, des plantains, des mangues, des piments. On a plein de choses qui poussent en plus du manioc. C'est la terre qui nous nourrit. Donc on respecte la terre. C'est notre mère. Et on doit être gentil avec sa maman. Aimable et bien la traiter. Parce que notre mère nous nourrit. Comme beaucoup de Rastafari à Sainte-Lucie, ils sont végétariens et ne consomment pas d'alcool. Notre but est de protéger la terre, d'être heureux en vivant par la terre. Nous devons l'embrasser avec l'agriculture. C'est notre rôle en tant qu'être humain. Ils sont revenus sur leur île après une virée américaine. Je suis né à la campagne et j'ai laissé la campagne pour New York, pensant que New York était le paradis. J'ai rencontré ma femme à New York et on s'est mariés. New York était un dépotoir. Je n'ai pas aimé New York. Donc on a décidé de revenir au pays et à la terre pour élever une famille dans les collines avec dignité, respect et en bonne santé. Du haut de leur montagne, ils dominent Sainte-Lucie. La lumière, la terre et le peuple. Soulane vient de retrouver son île. Elle faisait ses études en Jamaïque. Tous les vendredis soirs, la foule transforme la rue en piste de danse. La majorité des Saint-Luciens ont une ascendance en Afrique, car nos ancêtres sont venus ici comme esclaves pour travailler dans les plantations. Nous avons aussi des origines indiennes. Il y a vraiment un mix des cultures. Moi, par exemple, mon arrière-grand-mère était indienne. Puis il y a eu aussi les colons, les Français et les Anglais. Donc j'ai tout ça dans mon sang. Don't you know what?
c'est la diversité à l'extrême. Le peuple dansera toute la nuit, jusqu'à ce que demain, la lumière se lève à nouveau sur cette terre des Caraïbes. Allez, on lève les bras bien haut, on respire fort. On passe à l'exercice suivant. On y va, les gars, c'est parti. Hello. Hey, salut Jérôme. Ça va bien? Ça va bien et toi? Donc je t'ai coupé en plein cours. Tu viens souvent ici avec tes amis. C'est toi la coach alors? Oui, j'essaie de nous garder en forme et en bonne santé. J'ai juste envie d'encourager les gens à se dépenser. Allez, on va en ville? Voici John Compton. Il a été le premier élu au poste de Premier ministre. D'accord. Et c'est lui qui a mené Sainte-Lucie à l'indépendance en 1979. Cette statue est là pour nous rappeler son travail et son engagement pour notre pays. D'accord. Voilà, Sainte-Lucie est un pays très jeune, du coup. Oui, c'est sûr. Jérôme, j'aimerais te présenter mon père. Il est ici au marché. Il fait ses courses alors? Salut papa. Je te présente Jérôme. Enchanté. Ça va, messieurs? Ça va bien. Vous comprenez les couilles, là? Pas spécialement, mais je le comprends un petit peu le patois. Je comprends un petit peu. Enchanté. Oui, oui. J'étais en train de boire le lait de nos délicieuses noix de coco. Tu veux une noix de coco? Moi, je l'aurais bien, ça, moi. Oui, tu devrais essayer. Ah, super. Merci. Viens, on va acheter du boudin noir. Ah ouais, le fameux. Hello. Hello. Tu fais toujours le boudin de la même manière? Il y a du piment dedans. Juste un petit peu. Un petit peu? J'aime bien quand il y en a beaucoup. On peut en goûter du bien pimenté? J'aime ça. J'arrive presque à comprendre ce que tu lui dis. Hein. Ça, c'est vraiment du patois Saint-Lucien. Oui, oui. Patois de Saint-Lucie. Moi, je sais que Sainte-Lucie a été nombreuses fois colonisée, tantôt par les Anglais, les Français, les Anglais. Il y a eu un petit ping-pong comme ça pendant des siècles. Oui. Est-ce que le patois, donc du coup, là, le créole ici de Sainte-Lucie, c'est un des restes de la colonisation française? La créole, c'est parce que les esclaves sont d'Afrique. Oui, et exactement. Qui était colonisé par le français parce que les îles sont proches. Il y a beaucoup de voyages entre Martinique et cette ici. En fait, les Martiniquais viennent ici tout le temps. Et parfois, il y a tellement de Martiniquais qu'on n'arrive plus à dire qui est Martiniquais et qui est Saint-Lucien. Ouais. Allez, on va goûter ça. Petit boudin. Il est pimenté celui-là. Oula. Petit à piment. Petit à piment. Wow. Sainte-Lucie a été colonisée 7 fois par les Français et 7 fois par les Anglais. Au 19e siècle, c'est la couronne britannique qui l'a finalement emportée. Sainte-Lucie est indépendante depuis 1979.
Si l'architecture garde parfois la mémoire des Européens, l'héritage colonial se trouve plutôt dans la vie quotidienne. Naomi, jeune lycéenne, a 16 ans. C'est mon uniforme d'école. Oui, je l'aime bien, mon uniforme. Il est simple et il me va bien. C'est quelque chose qui nous reste des Anglais. Naomi part pour l'école. De la maternelle au lycée, tous les Saint-Luciens portent l'uniforme. C'est un billet de 5 $ caribéens. Notre monnaie date de l'époque où la reine Elisabeth régnait à Sainte-Lucie. Pour honorer la reine, on l'a imprimé sur le billet. À Sainte-Lucie, si les Français ont insufflé l'esprit des lois, les Anglais ont inspiré le système éducatif. Bonjour. Il existe des écoles mixtes, mais Naomi étudie au couvent Saint-Joseph, dirigé par une sœur catholique. C'est traditionnel. Et j'aime ça car on est moins distraites. On est entre filles. Les Anglais, quand ils ont colonisé Sainte-Lucie, ils ont amené avec eux les prêtres et les nonnes. C'est eux qui ont ouvert les deux premières écoles de Sainte-Lucie. La majorité des 180 000 Saint-Luciens est aujourd'hui catholique. Noémie, présente. Alicia. Tous les matins, les élèves se réunissent en assemblée. Dans la plus pure tradition anglaise, on prie ensemble. Vous n'êtes pas encore en vacances. Je crois que les cultures anglaises, africaines et françaises se sont mélangées pour façonner la société sainte-lucienne. Par exemple, dans notre vie de tous les jours, nous exprimons notre culture africaine, car la plupart des élèves comme moi, nous avons les cheveux crépus et on aime se coiffer avec des tresses ou avoir les cheveux en arrière. Pourriez-vous, vous ou un employeur, utiliser des publications Facebook pour licencier un salarié? Si l'anglais est aujourd'hui la langue officielle, 70% de la population parle un créole truffé de mots français, si bien que les Saint-Luciens l'appellent notre patois. Aujourd'hui, les jeunes parlent plus l'anglais que le créole. Mais il semble que la jeune génération tente de se reconnecter avec notre patois. De mon point de vue, les Saint-Luciens ne se sont pas construits dans le rejet des cultures françaises et anglaises. Parce que quand on a demandé notre indépendance à la Grande-Bretagne, il n'y a pas eu de guerre ou quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, on garde cette culture en nous. On n'a jamais voulu s'en détacher, essayer de s'en débarrasser pour l'oublier. À quelques kilomètres de la Martinique, nombre de Saint-Luciens portent aujourd'hui des noms français, tout comme les villes. Cul-de-sac, Badelaine. Ce jeune pays qui a moins de 40 ans porte en lui tous les visages de son histoire amérindienne, africaine, anglaise, française et créole. Comment vas-tu? Ça va, merci. Tu as bien dormi? J'arrive un peu tôt, c'est bon? Vous êtes en train de vous faire tout beau pour la messe? Oui, c'est important pour moi d'avoir cette énergie spirituelle pour affronter la semaine. Les Saint-Luciens, de manière générale, sont très croyants, très pratiquants. Oui, absolument. La plupart des Saint-Luciens sont catholiques romains. Tu es prêt pour te joindre à nous? Oui, je vais me faire la voix. Je suis prêt, je vous attends. On y va alors. Voilà Jérôme, nous sommes arrivés à la cathédrale. C'est l'une des plus anciennes de toutes les Caraïbes. Et l'une des plus grandes aussi, comme tu peux le voir. Alors, je ne pourrais pas rester jusqu'à la fin de la messe parce qu'on vient me chercher tout à l'heure. Donc, je vous abandonnerai pendant, mais je suis sûr que vous allez très bien prier pour moi. That's fine.
Bonjour Jérôme, comment vas-tu? On s'embrasse? Oui, on est très accueillants sur cette île. Voici Martine. Enchanté. On marchait en direction de l'église. Ah ben je suis sorti là il y a quelques minutes. Oui, comme tous les Saint-Luciens, on est très en retard. En tout cas, bienvenue. On t'emmène avec nous? On va à Soufrière? Exactement. Allez, on va descendre dans le sud de l'île alors, ça marche. L'île est montagneuse sur toute sa surface? Oui, quasiment. Il n'y a pratiquement aucune portion de route droite sur toute l'île. Et cette partie de l'île est magnifique. Si tu aimes la nature, tu dois aller à Soufrière. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? Quand je suis arrivée sur l'île, je gérais un hôtel. C'est là que j'ai rencontré Martine. Il jouait dans un groupe. C'était le chanteur et batteur du groupe et il s'en sortait très bien. Il est venu passer une audition pour jouer dans l'hôtel et il a eu le boulot. Ok. Il est revenu quelques jours plus tard, disant qu'il avait des super fruits, dont des oranges de sa terre. Et je lui ai dit, merci, combien je te dois? Et il a répondu, juste quelques cafés avec toi. Depuis ces quelques cafés, nous sommes toujours ensemble. Et voilà, Jérôme, voici notre humble maison. Oh, c'est génial. Génial, j'adore. L'entrée est assez modeste, mais quand tu verras ton cottage, c'est une autre histoire. It's quite a different story. Well, allez, suis-moi. Okay. C'est vraiment chouette ici. Hein? Merci, c'est vrai que c'est très beau. Ah, Jessica, on peut te déranger? Voici Jessica. I'm Jérôme. Ravie de vous rencontrer. Enchanté, Jessica. C'est ma fille chérie. Et c'est moi le père. Je suis la version améliorée. Ok, super. Laisse-moi te montrer tes appartements. Ah, c'est seulement pour une personne? Enfin, pour un couple. Pour deux personnes, une ou deux. Et voici ta chambre. C'est aussi grand qu'en bas, d'accord? Oui, il y a de l'espace. Ouais. J'espère que ça te plaît. C'est royal, hein, franchement. Merci. Quelle était l'idée de départ pour toi ici? Vous avez voulu faire quoi? Nous avons voulu rendre chaque villa unique en ramenant des objets de partout dans le monde. C'est mon plaisir. Et pour toi, Martin? Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Et je vis dans ce rêve que nous avons créé. C'est mignon. Tu le regardes avec les yeux en cœur. Viens, je vais te montrer le balcon. Attention à l'arbre. Tu peux venir te détendre ici et admirer la vue sur les pitons et les sources de soufre là-bas. Ça, les pitons sont vraiment les deux emblèmes de Sainte-Lucie. Hein. Comment tu as trouvé cet endroit? Parce que c'est un petit paradis quand même. En fait, ce terrain appartient à Martine et à sa famille. Donc on est chez toi. Je pense que j'ai de la chance car dans ma famille, nous sommes 15 frères et sœurs. Et mon père m'a donné la plus belle partie de cette terre. J'ai toujours été très proche de mon père, comme si j'étais son esprit. Il n'aurait jamais dit ça à personne, mais c'était toujours Martine, Martine. Donc j'ai vraiment de la chance d'avoir reçu tout ça. Et ici, chérie, tu n'es jamais malade. Martine ne va jamais chez le docteur. Oui, j'ai entendu parler que tu faisais des miracles avec des décoctions et tout ça. Oui, c'est ma passion. Je descends dans le jardin et je ramasse quelques plantes, quelques herbes. La forêt tropicale recouvre 10% de l'île. Les nombreuses réserves naturelles protégées recèlent d'inestimables trésors. Martine, le mari de Monica, a pour habitude de s'enfoncer dans la forêt pour se soigner. C'est de la papaye. Si vous avez un abcès aux dents,
Vous percez une papaye et vous prenez le lait pour vous masser la gencive avec. Et en quelques minutes, c'est réglé. Pas besoin d'aller chez le dentiste, pas besoin d'antibiotiques. Si j'ai quelque chose de vraiment sérieux, genre une jambe cassée, j'irai chez le médecin. Mais d'où je viens, on utilise la nature pour se soigner. Je suis un homme de la nature. Aujourd'hui, Martine est accompagnée de François, 81 ans, un autre docteur de la forêt. Tant que j'aurai la médecine de la forêt, j'irai bien. Et je vais bien grâce à elle. C'est de la feuille d'avocat. Un verre en tisane et la migraine disparaît. C'est l'une des plantes les plus efficaces contre la migraine. J'ai tout appris avec ma mère. Quand j'avais quelque chose qui n'allait pas, elle me donnait un verre d'infusion en me disant « C'est bon pour ce que tu as ». Donc j'ai grandi en apprenant. Martine a tout appris des pouvoirs de la forêt avec sa mère, une descendante des Indiens Caraïbes. Parmi les premiers habitants de l'île, ils pratiquaient la médecine de la forêt. Sainte-Lucie est bénie avec tous ses fruits tropicaux. Je pense que l'on est béni par cette nature, notre mère nature. Comme si la bonne fée s'était penchée sur la canopée. La végétation, dense et diversifiée, offre une myriade de nids charmants à toute une faune ailée. Cette forêt enchantée compte 177 espèces d'oiseaux, dont 7 sont endémiques. En saison de floraison et de récolte des agrumes, ils sortent au petit matin. Il faut appeler les oiseaux quand on ne les voit pas. Il faut les inviter. Il faut être patient et leur laisser la possibilité de vous approcher plutôt que de courir partout. Cet oiseau, je l'entends depuis longtemps, le colibri huppé. Oui, à midi, à côté de l'arbre. Ils travaillent tous au département de la forêt. Enfant, Jean-Philippe voulait être docteur, mais une sortie de classe à l'école primaire a tout changé. Petit garçon, j'allais en forêt avec mon lance-pierre pour chasser les oiseaux. Surtout le sucrier à ventre jaune et le colibri. Avec mon lance-pierre, je les chassais pour les manger. Et maintenant, je suis dans la forêt avec mes jumelles et mes livres. Plus de lance-pierre. Un colibri ? C'est le madère. C'est le plus beau des colibris de Sainte-Lucie. Un oiseau noir. Mais quand le soleil tombe dessus, le bleu irisé de ses ailes et le rouge de sa gorge brillent. Sainte-Lucie tente de protéger sa biodiversité, son or vert qui attire les vacanciers. Dans la ville de Soufrière, alors? Oui, la grande ville de Soufrière, qui a seulement 6 rues. Et il y a des bâtiments très anciens dans le centre-ville. Ce sont des maisons traditionnelles en bois d'époque coloniale, alors? Oui, c'est ça. Alors, okay. Jérôme, j'espère que tu as pris ton maillot de bain. Parce que j'ai une surprise pour toi, mon chéri. Nous sommes en route pour le volcan et ses sources chaudes.
Une odeur de soufre, là. Oui. Nous sommes pile au cœur du cratère. Alors, j'ai vu qu'il y avait des habitations un petit peu plus haut. C'est-à-dire que le cratère est habité, alors. Oui, les gens vivent ici depuis des centaines d'années. Parce qu'il n'y a pas de menace. Même s'il est vivant, il est en partie immergé. Ça boue, là, hein. Il y a les fumerolles, mais il y a aussi un peu de soufre qui boue. Oui, il y a des bulles parce que c'est chaud, vraiment très chaud. Tu viens souvent, toi, ici, Jessica ? Oui, je viens très souvent. J'aime les bains de soufre parce que les gens du coin me disent que ça te rajeunit de 10 ans. C'est la raison principale. D'accord. Et ton copain apprécie. Oui, ton fiancé aime ça, que tu as la peau douce, c'est ça ? Oui. Le cratère ici fait quelle dimension ? Il mesure 45 km. La dernière éruption a lieu quand, ici ? C'était en 1766. Et comment vivent les gens ici dans la région ? Comment vous vous appréhendez de vivre aussi proche du volcan, vous ? C'est normal, c'est comme n'importe quel autre endroit. On s'habitue et on oublie même que ça sent l'œuf pourri. Les Saint-Luciens ont toujours connu ce volcan et les sources de soufre. Ça fait partie de leur vie et ils aiment ces bains de soufre. Il y a une histoire qui est vraie. Napoléon est venu ici et il a construit des bains avec ses soldats. Et il a construit un bain privé pour Joséphine, sa femme, qui aurait été Sainte-Lucienne. De vert ici, hein. Après le bleu de la plage. Oui, parce qu'ici, tout pousse grâce au soufre. C'est pour ça que les environs de Soufrière sont si verts. C'est grâce à cette terre volcanique. Prends ça, Jérôme, c'est pour toi. Je crois que j'ai compris ce que tu m'as préparé. Ce sont les bains chauds, les bains debout, alors. Il y a beaucoup de monde, là. Oui, parce que celui-là n'est pas trop chaud. Nous préférons l'autre, qui est plus chaud. On va laisser Jessica tester ça. C'est toi qui vas faire la cobaye. C'est vraiment très chaud. Ok. Je suis un novice, c'est bien chaud. Tu vois l'idée des patates douces à l'eau, tu vois. Bien bouillies dans l'eau, c'est un peu le principe. C'est chaud, hein. Quelles sont les propriétés de cette eau, cette boue finalement de soufre ? Les minéraux présents dans le volcan et dans cette eau sont excellents pour plein de choses, comme l'arthrite, l'eczéma et d'autres maladies de la peau. Pour toutes sortes de douleurs, ça aide vraiment à les combattre. C'est fabuleux. Tu veux vraiment pas venir avec nous, t'es sûr que tu veux pas venir ? Oh, mais viens avec nous, viens. C'est bon pour la peau, vas-y. Mais je sais, mais non. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu te moques alors ? Non, tu es très beau, vraiment très beau. Bien sûr que c'est fait pour moi, bien sûr. Bonjour les athlètes. S'il vous plaît, formez le cercle pour remercier Dieu qui nous donne la force, la santé et la protection. Tout le monde se rassemble. Our Father, what in heaven, give us this day our daily bread. Amen. So let us go down. Allez maintenant à la plage. Ici, l'équipe d'athlétisme s'entraîne sans basket. Les épaules en haut et derrière. Au Caraïbes, on s'entraîne à la plage. Ça apaise l'esprit.
Juste en étant là, on a un sentiment de liberté. Gardez les jambes bien droites. C'est plus dur de courir sur la plage. Mais si on est capable de courir vite sur le sable, on pourra courir encore plus vite sur une piste. L'équipe s'appelle les Rockets, les fusées en français, car le club veut défier les lois de la gravité. Allez, allez! Tu peux faire plus vite que ça! C'est très bien, mon garçon! Mon rêve, c'est d'être aux Jeux Olympiques en 2020. Je veux être le prochain Usain Bolt. Je veux aller au moins 3 fois aux Jeux Olympiques. Galvanisé par les exploits des athlètes caribéens, Usain Bolt, Asafa Powell ou Johan Blake, le coach ne brisera pas leurs ambitions. On tire notre fierté du fait que l'on vient de petites îles qui, dans les compétitions internationales, affrontent les grandes nations. Et nous les battons, on se sent puissant. Peut-être qu'on n'a pas autant de ressources, pas autant d'argent que les grands pays, mais en matière de sport, on est à égalité. Sainte-Lucie n'a pas encore décroché sa médaille olympique. Les meilleurs espoirs sont les jumeaux les plus rapides de l'île. Je suis Janine Greenidge. Je suis Shaquille, j'ai 19 ans. Au 100 mètres, je fais 10 secondes 71. Moi, 10 secondes 74. Parfois, il gagne. Parfois, c'est moi, mais c'est toujours serré. Ils ont 10 ans de moins qu'Usain Bolt et sprintent comme lui. L'éclair jamaïcain détient le record du monde du 100 mètres, 9 secondes 58. Superstar of athletics, Usain Bolt, c'est l'homme à battre ce soir. C'est toujours excitant de regarder Bolt courir. Il est pétillant, j'aime tout chez lui. Sa personnalité, tout. Vraiment, c'est mon modèle. Je sais qu'il gagnera toujours. C'est le meilleur. Bolt a peut-être des concurrents. Les jumeaux ont déjà représenté Sainte-Lucie en Ukraine et en Floride pour les championnats du monde de la jeunesse. Notre but est d'atteindre les Jeux Olympiques et de battre le record du monde d'Usain Bolt. Kimberly, la maman, soutient ses jumeaux. Aujourd'hui, elle prépare de la morue aux bananes vertes pour le barbecue du club d'athlétisme. Je les ai vus progresser depuis qu'ils ont commencé. Ils sont plus forts et plus rapides. Les exploits d'Usain Bolt encouragent les jeunes à s'intéresser de plus en plus à l'athlétisme. Bien qu'il soit jamaïcain, c'est caribéen. Et dans les compétitions internationales, la Caraïbe ne fait qu'une. Chez les Rockets, c'est la journée des familles. Parents et enfants se retrouvent à la plage. Mets-nous un peu de zouk. Tous les éléments de la fête caribéenne sont réunis. Mais les athlètes n'oublient pas l'objectif pour autant. Et je veux que vous vous souveniez de cela, que ce soit dans 5, 10 ou 15 ans. Les Rockets promettent au monde et à Sainte-Lucie que la première médaille olympique de Sainte-Lucie viendra d'un athlète des Rockets. Et ce n'est pas une blague. Vous riez, mais quand ça arrivera, vous vous rappellerez de ce que j'ai dit. I'm looking for Greta. Tu continues tout droit. Thank you, have a nice day. Morning, Greta. Good morning. Bonjour, Jérôme, comment ça va? Je t'embrasse. Bienvenue à Pralin. Merci, merci beaucoup. Bienvenue. Nice to meet you. Enchantée, je suis Angela. Angela, très bien. Bon, alors c'est ici que tu pars en mer
pour aller pêcher, enfin pêcher, récolter ton plancton, tes algues. Ça te dirait de venir voir à quoi ressemblent nos exploitations d'algues? S'il te plaît, avec grand plaisir. Yes. Je vais même t'aider. Bonjour, messieurs. Ok. Miss. Ici, c'est une excellente zone pour cultiver le CMOS. Elle a été étudiée par un scientifique qui s'appelle Alan Smith. Il a découvert que la barrière de corail crée un environnement propice à sa culture et c'est une algue que nous consommons beaucoup ici. Moi, je la cultive depuis 25 ans. Voilà, nous arrivons dans la zone de culture des algues. Et les piquets de bois délimitent les différentes fermes. Chacun a sa petite portion. Oui, c'est ça. D'accord. Allez, c'est le moment de se mettre à l'eau. Allez. Oh, elle est froide, oh là là. Mon Dieu, elle ne fait que 25, quelle horreur. T'as plusieurs variétés d'algues, là. La verte, c'est de l'algue. Okay. Et ça, c'est du CMOS. La verte, on ne la récolte pas. D'accord. Maybe, peut-être une perruque. Maybe like this, no? On l'appelle aussi fourrure de chat. Poil chat. C'est pas très élégant, poil chat. Mais bon, après ça, regarde. Alors, dis-moi, est-ce que ce sont plutôt les femmes qui travaillent ici ? Normalement, c'est les hommes. Mais ici, ce sont uniquement les femmes qui gèrent les exploitations. Et moi, je suis particulièrement fière d'offrir un travail aux gens d'ici. Ils peuvent vendre leur production et ainsi survivre et assurer un bon avenir pour leurs enfants. Et maintenant, je vais te montrer ce qu'on fait après la récolte. Come with me. Okay. One, two, three. Ok, it's finished. Ah, c'est une belle journée, non? Et c'est pas terminé, hein? J'espère. Ça t'a plu? Ah oui, c'était chouette, très chouette. Alors, voici ma maison, et on va aller mettre le CMOS à sécher plus bas dans le jardin. Bébé! Ah, tu mets ça là-dessus, d'accord. Tu enlèves ça? Oui, on dispose le CMOS sur cette bâche en plastique pour qu'il blanchisse. Combien de temps tu les laisses ici? Ça va dépendre de la température extérieure. S'il fait bien chaud, ça prend une demi-journée. Quand cette étape est terminée, on le met à sécher et en dernier, on le fait bouillir. Si tu veux venir voir à quoi ça ressemble quand c'est terminé, j'en ai du tout prêt à te faire goûter. Ah, je vais goûter enfin. Très bien, ça me va. Le plus souvent, le CMOS est mélangé à des fruits ou à du lait. D'accord, donc c'est quoi celui-ci par exemple? C'est lait et cacahuètes. Je ne saurais pas définir le goût même de l'algue, parce qu'on ne sent pas un goût particulier. C'est un lait épais, c'est bon comme un milkshake un peu. C'est vraiment très bon pour la santé. C'est plein de magnésium, de protéines.
Et quand on est fatigué, faible ou qu'on a faim, on en boit une bonne bouteille et ça te redonne de l'énergie. Ah ouais, d'accord. Bravo. Merci. Merci. Cheers. Et pour le Simos, cheers. Pour Palin. C'est bien bon. Entre océan Atlantique et mer des Caraïbes, Sainte-Lucie a su tirer parti de tous ses atouts. Elle est naturellement devenue le terrain de jeu idéal pour les passionnés de sport nautique. Okay, c'est ça. On est sur la côte la plus sauvage de l'île, l'Atlantique. C'est mon côté préféré. Ici, les éléments sont si bruts. C'est super sur une petite île d'avoir des plages si différentes où on peut jouer avec les éléments. Sean est architecte. En 2000, il a été le premier Saint-Lucien à voler sur les vagues en kitesurf. C'était drôle, à chaque fois que j'allais à la plage, les gens couraient me demander si c'était mon invention. Alors que non, il y en a même qui me demandaient des autographes. C'était vraiment très drôle. C'est parti. Sainte-Lucie fait partie des îles sous le vent. Ces vagues font des envieux. Simon a ouvert son école de kitesurf. Né à Trinidad, il a grandi à Sainte-Lucie. La plupart de ceux qui sont ici sont arrivés en touristes et ils ne sont pas repartis. Sainte-Lucie leur a plu et maintenant ils habitent presque tous ici. Il y a des Argentins, des Suisses, des Américains, un sacré mix. Et bien sûr, les vrais Saint-Luciens sont là aussi. C'est du fruit à pain que l'on fait rôtir. C'est très traditionnel de faire ça à la plage. C'est le bureau. Salut Skyla, comment vas-tu? De l'huile de coco vierge, important. Waouh, c'est parfait. Le seul ingrédient, c'est le feu. Vous en voulez? Le fruit à pain a été amené ici au 19e siècle, à l'époque de la traite des esclaves, car les maîtres des plantations nourrissaient leurs esclaves avec le fruit à pain. C'était ce qu'il y avait de moins cher et c'était très nourrissant. Ils n'avaient qu'un arbre à faire pousser et un arbre donnait tellement de fruits. Et maintenant, c'est une de nos spécialités culturelles et c'est délicieux. Une vie, la mer en face. À Sainte-Lucie, toutes les plages sont publiques. Cette loi, c'est ce qu'on appelle la chaîne de la reine. En cas de besoin, pour défendre l'île, l'administration anglaise devait pouvoir accéder à la côte et construire des fortifications. Donc il était interdit de construire sur la côte. Et aujourd'hui, c'est à notre bénéfice. Pour répondre à l'appel du large, Sean navigue régulièrement dans l'arc antillais, Saint-Martin, les Grenadines ou les îles Vierges. Ce matin, à la marina, il retrouve son équipe pour une régate. Franck et Nick sont respectivement français et suédois. Ils sont les deux premiers sur le bateau. J'étais étonné de te voir à l'heure ce matin, Sean. Ça va, Nick, j'étais à l'heure. J'avais dit que je serais à l'heure. Regarde, c'est pas Jarvis qui arrive? 7h30. À l'heure des tropiques, c'est 8h30. On a une équipe internationale. Nick, que vous avez rencontré, il est suédois. Je suis arrivé ici en bateau il y a bien longtemps. C'est Jarvis, l'homme. Et on a Franck. Franck est français. On a une mer ici qui a relativement chaude, 28 degrés, c'est comme sympa. On peut naviguer en short sans les bottes en caoutchouc et le ciré. Pas besoin d'un père, n'est-ce pas? Notre bateau s'appelle Jabal, et ce que ça veut dire en créole à Sainte-Lucie, ça veut dire la maîtresse. Les Caraïbes, le paradis des navigateurs, en dehors de la saison des ouragans. Franck, originaire des Vosges, en profite depuis qu'il travaille ici. La mer, pour les Sainte-Luciens, en général, c'est vrai que c'est un petit peu
Ils voient ça le côté dangereux, comme ils disent ici en créole, un sous la mer, ça n'y branche. Il n'y a pas de branche dans la mer, donc c'est vrai qu'il y a une appréhension. Mais la voile se démocratise. Ready, 3, 2, go. C'est parti pour 5 heures de régate sur la mer des Caraïbes. Jeune, jeune, regarde le vent. Le vent, prends le vent. Sean, Sean, qu'est-ce que tu fous ? Sean a navigué avant de savoir marcher. Sa famille construisait les goélettes qui ravitaillaient les îles des Antilles. Pour étudier et travailler, il a vécu en Europe, en Floride et au Mexique. Mais en 2000, il est revenu à Sainte-Lucie. Je pensais rester 3 ans et ça fait 15 ans que je suis rentré. Même si je continue de voyager, d'explorer, cette année je suis parti naviguer dans le cercle arctique. Mais j'adore mon île, comment ne pas aimer, regardez autour de vous, c'est magnifique. You gotta seize the ticket to my heart, I hope you use it. You gotta seize the ticket to my love. Cause you're the only one that I'm giving up. I got 4 full seasons of love in my heart. Morning. Je fais le curieux, je viens jusqu'à vous. Faites attention peut-être. Faut avoir l'œil hein, pour débusquer les jaunes. Les cabosses doivent être de quelle couleur pour les ramasser, pour les cueillir comme ça ? Les cabosses de cacao doivent être jaunes de préférence. Mais on récolte aussi bien les vertes que les rouges. D'accord. Pour quelle raison le cacao est aussi réputé ici sur Sainte-Lucie ? Parce qu'ici la terre est magique. Où que tu plantes du cacao, ça pousse. Ici sur l'île ? Ouais. Il fait très chaud et c'est l'idéal pour le cacao. Est-ce que le volcan ou le sol, de par le fait qu'il y ait beaucoup de soufre, c'est bon pour la culture du cacao ? J'ai envie de te dire oui, tellement ça pousse. Bien sûr, il n'y a pas de plantation près du volcan. C'est trop sec. Mais juste à côté, c'est parfait. Alors, il n'a pas un petit goût de soufre, ce cacao, au moins ? Non. Non. Vous ramenez les cabosses là-bas ? Oui, là-bas. Je vais aller voir ça, alors. Vous faites quoi ? Ah. Je mélange les fèves qui fermentent. Donc là, les fèves fermentent ici et ensuite elles sont séchées ? Où ça ? Oui, là-bas, sur les planches en bois au soleil. Ah oui, les grands tiroirs. Excellent. C'est fini, non pas point. Et après, c'est écrasé comme madame fait. Morning. Et vous, vous cassez la fève ? Je peux essayer ? Ouais, c'est horrifié, ça. Presque goût de café. Et ensuite, vous transformez ça, vous le pilez ? Pour faire les bâtons de cacao. C'est comme ça qu'il est consommé, ici ? En bâtonnet, comme ça. D'accord. On râpe. Oui. OK. Moi, je râpe mon cacao pour le boire avec mon chocolat chaud. Yo ! David, please, can you stop? Thank you. Have a nice day. Bye.
Super. Super. Très beau. Alors, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Jérôme. Welcome, j'ai entendu welcome. Parler de votre... comment ça s'appelle ici? Steel pan? Oui, steel pan. On dit steel pan, d'accord, ok. Yes. Il n'y a que des enfants, que des jeunes? We consider very young people. Oui, on a vraiment de très jeunes enfants ici. Le plus petit a 6 ans et le plus âgé 20 ans. Tous vont à l'école, mais ce n'est pas une activité extrascolaire. On vient surtout ici pour se détendre, s'amuser et jouer du steel pan. Le groupe existe depuis combien de temps? On a commencé en 2006 et on fête notre 10e anniversaire. Au départ, c'était juste un petit groupe d'amateurs, mais petit à petit, on a constitué un groupe qui s'est entraîné pour atteindre un niveau national. Et maintenant, on organise des championnats. Donc on est hyper contents, c'est nouveau pour nous. On n'a aucune expérience de la compétition, mais on a une équipe de jeunes super motivés pour y arriver. Ouais, c'est super. Oui, c'est sympa. Thank you very much, everybody. Merci. Voilà, je profite des dernières lueurs de soleil à Sainte-Lucie, puisque dans quelques heures, je vais m'envoler pour la Barbade, où je termine mon voyage. J'aurai notamment l'occasion d'aller nager avec les tortues sur la barrière de corail. Mais avant cela, on va prendre la direction de la route de l'Ouest américain du réalisateur Mathieu Despiau. Et cette semaine, il nous propose tout d'abord une halte à Las Vegas, dans un des plus beaux palaces de la ville. Et ensuite, il se rendra à Lake Powell pour y découvrir son légendaire canyon d'ocre rouge. Donc, bonne parenthèse américaine et on se retrouve tout à l'heure sur les plages de la Barbade. Vous avez forcément, comme moi, dans votre imaginaire, des paysages grandioses de l'Ouest américain. Cette terre a toujours attiré des pionniers et des rêveurs en quête d'espace, de fortune et de liberté. À moi l'Ouest américain, à moi la route des grands espaces. Cette route de légende, d'asphalte et de poussière, je m'en vais l'arpenter sur 6000 km. Sur terre ou dans les airs, je partirai en quête des plus beaux paysages et des merveilles de l'Ouest. J'emprunterai tous les chemins. Et je tenterai de comprendre au cœur des ranchs ou des canyons pourquoi les hommes portent tant de l'envie d'aller toujours plus loin et toujours plus haut. Sur cette route de l'Ouest, je m'en vais moi aussi réaliser mon rêve américain. Et je fais un pari. Je ne rentrerai qu'après avoir réalisé l'impossible. Au cœur de l'Ouest américain, je rêve de trouver de l'or. Le trésor des trésors, celui qui attise toutes les convoitises depuis le 19e siècle. L'Arizona est peuplée de chercheurs d'or qui creusent les sols jour et nuit et espèrent faire fortune. Je me rends dans la région de Kingman, connue pour ses mines abandonnées. Et enfin, je mets la main sur Rita Atkins, surnommée Gold Lady, la femme en or. Une légende de l'Ouest déjantée. Il paraît qu'elle trouve de l'or plus vite que son ombre. Ah, ça sent bon. C'est quoi ce son? C'est un joli son qui donne le sourire. Je vois quelque chose qui brille. C'est plein de terre. Je dois lui cracher dessus.
Ce n'est pas très féminin. Voici une pépite d'or. La première de la journée. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. On trouve beaucoup d'or ici? Oh oui. Chaque fois que je viens ici, je repars avec de l'or. C'est un bon endroit pour l'or. Qu'est-ce qu'on ressent quand on en trouve? Tu en veux toujours plus. Il te faut une petite boîte vide en plastique. L'or est lourd, ça fait du bruit. Maintenant, écoute ce son. Et après, tu fais ça. J'en ai une. La petite mélodie de l'or de Rita trouble depuis 25 ans le silence des déserts de l'Arizona. Avec ses amis, elle vient ici chaque week-end, par tous les temps, qu'il fasse 5 ou 40 degrés. Rien ne peut stopper un chercheur d'or. Ici, on se sent comme les pionniers qui sont venus chercher de l'or. C'est le plaisir de la chasse. Oui, c'est l'excitation, le frisson, celui de rechercher, de trouver. On garde tout ce qu'on trouve. Parfois, c'est difficile de se séparer de nos plus belles pépites. Ce sont celles qui valent le plus. Oui, ce sont nos spécimens. Ça, c'est mon église. Vous ne vous sentez pas béni ici? Si vous voulez parler à Dieu, vous pouvez lui parler d'ici. Merci pour les pépites. Si le dieu des chercheurs d'or existe, il doit s'appeler Rita Hopkins. Elle a raflé la mise avec 6 pépites d'or. Je n'en ai trouvé aucune. Du coup, j'irai bien faire fortune ailleurs, en reprenant la route. Mais Rita a un autre trésor à me dévoiler. Son coin préféré, une ville chargée de légendes, abandonnée par les pionniers. En attendant, nous voici sur un autre mythe de l'Amérique. La célèbre route 66. La mère des routes, qui relie sur 4000 km Chicago dans l'Illinois à Santa Monica en Californie. La route 66, tout le monde la connaît. À l'époque, c'était la seule route possible pour atteindre ou quitter la Californie, la 66. Ça me fait plaisir de vous faire découvrir cette route. Il faut imaginer des vieilles voitures qui l'empruntaient. C'est incroyable. Nos voitures tiennent bien la route, mais pas à l'époque. Les conducteurs devaient gravir ces montagnes. C'était la seule voie de passage. Je n'en crois pas mes yeux. La mythique route 66, tout en relief. Moi qui l'imaginais comme une longue ligne droite, je saisis mieux le frisson des bikers et des collectionneurs de vieilles cylindrées qui viennent se mesurer à la légende. Perdu au beau milieu de cette route 66, voici enfin Hotman. L'histoire raconte qu'en 1863, Johnny Moss, un prospecteur, trouva ici 250 000 dollars de pépites d'or. En quelques années, Hotman vit débarquer des milliers de mineurs qui creusèrent des galeries au péril de leur vie. Aujourd'hui, cette ville n'est plus qu'un musée du Far West, hanté par une poignée de cow-boys et de touristes. Hotman est une très vieille ville. À l'époque, avec l'industrie minière de l'or, elle débordait d'activité. Pourquoi aimes-tu cette ville? Je ne sais pas trop. J'aime bien imaginer comment vivaient les chercheurs d'or à l'époque. Ils déambulaient dans les rues, ivres avec leur bière à la main. Tu imagines tout ça? Si tu lis des histoires sur cette ville, tu apprendras que les mineurs ne gagnaient pas beaucoup d'argent. Les quelques dollars qu'ils amassaient partaient dans l'alcool. La vie n'était pas facile. C'était de la survie. Ils devaient travailler dans les mines car il n'y avait rien d'autre à faire. C'était juste pour se nourrir. Je comprends mieux avec Rita que la vie de ces pionniers était semée d'embûches.
Je reprends ma route. Je dois trouver de belles histoires. Celles qui parlent de fortune et de gloire. Ça fait plusieurs semaines que je parcours les grands espaces. La solitude, ça me plaît, mais j'ai besoin de voir du monde. Las Vegas, me voilà. Dans cette ville, tout est permis. Des rêves simples au plus fou. Gloire, fortune et paillettes. Je plonge dans cette fontaine de dollars. J'ai le tournis. Je me sens oppressé. Cette ville est démesurée. Construite en plein désert du Nevada, elle bat sans complexe tous les records. 40 millions de touristes par an. 150 000 chambres d'hôtel, 200 000 machines à sous. En une seconde, je pourrais vider mon compte en banque. Sous les lumières du jour, il y a toujours autant de bruit et autant de monde. Visiblement, Las Vegas ne dort jamais. Sur le Strip, l'avenue principale, je fais enfin une belle rencontre, un Français. Il se nomme Julien et c'est l'un des chefs cuisiniers les plus talentueux de la ville. Direction son restaurant. Grâce à lui, je vais peut-être découvrir un autre Vegas. Qu'est-ce que tu as ressenti la première fois que tu as mis les pieds ici ? Un petit peu le sentiment de... Je me demandais pourquoi j'avais choisi ici, comment ça allait se passer. Donc c'est vrai que c'est un peu l'effet que ça fait à tout le monde au début. Ce côté des mesures, ce côté où tout est brillant, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et puis c'est aussi un rythme où les restaurants sont quand même pleins tout le temps, donc c'est quand même un rythme soutenu. Donc c'est assez impressionnant au début. Mais il y en a pour tous les goûts. Après, ça reste quand même un budget quand on vient à Las Vegas. Mais il y a moyen de s'amuser, de bien manger, sans se ruiner non plus. Et à l'effet inverse aussi, il y a moyen, si on veut, on peut dépenser 100 000 dollars dans un repas. Julien est chef de cuisine du restaurant Guy Savoie, situé au cœur du célèbre César Palace, l'un des plus grands hôtels de la ville. Bonjour Alain, ça va ? Bonjour Julien, tu vas bien ? Très bien. Là, ça sent bon. Fini les hamburgers frites avalés sur la route. Au cœur des cuisines avec Julien, je vais enfin pouvoir parler gastronomie. Donc là, on est rouget de Méditerranée. On a quand même des produits superbes. Hein. Quand même des poissons d'exception, tout droit de France. Dans la ville des délires, tout est permis. Les meilleurs produits de la planète arrivent dans les cuisines du restaurant en moins de 24 heures. Des homards du Pacifique aux joyaux du Sud-Ouest. Ah. Et aussi les truffes noires du Périgord qui en arrivent, les premières de la saison. Elles ne sont pas encore très très noires, mais je commence déjà à sentir un peu. C'est bon. Aujourd'hui, ils nous ont ramené des belles truffes blanches d'Alba, pleines en saison. Vraiment des produits magnifiques. Ça vient avec son prix, donc là on est presque à 1000 dollars pour deux truffes. Donc donc ça va nous servir à peu près pour une vingtaine de menus dégustation de truffes blanches. Donc là on a le plat phare du restaurant, la soupe d'artichaut et truffes noires sur le menu depuis 20 ans. Allez. Ouais. Cet univers fait de luxe et de dollars, c'est son quotidien à Julien. Ce grand gaillard a grandi à Bordeaux, puis s'est envolé pour l'Amérique avec ses parents il y a 20 ans. À force de travail et d'envie, le voici tout en haut, à seulement 28 ans, chef d'un restaurant étoilé. Il y a quand même une pression qui m'exige vraiment à être toujours au top tous les jours, de m'assurer que la qualité du restaurant reste la même tous les jours. C'est vraiment un honneur, une fierté, c'est un rêve d'enfant qui se réalise en fait. Quoi.
Je pourrais rester là moi aussi, essayer de me lancer dans la gastronomie, tenter de décrocher le succès et réaliser mon rêve américain. Mais je crois que cette ville n'est pas pour moi. Je préfère la quiétude des grands espaces. Je quitte Las Vegas. De nouveau le calme, la route et les rencontres imprévues sur le bas-côté. Ça me manquait tout ça. Salut. Salut, ça va? Comment ça va? Qu'est-ce que vous faites là? On traverse le pays à vélo. Vous êtes d'où? On habite dans le Vermont. Et nous sommes partis depuis la Floride. Et vous allez où? On va à San Diego. Salut les mecs. Prendre la route pour vous, ça veut dire quoi? C'est un défi personnel et c'est très étonnant. Allez, salut! J'allais me jeter à l'eau. Ça va Gabriel? Oui, ça va et toi? Ça va, bienvenue à la Barbade. Enchanté. J'ai tout un programme pour toi. Bon, tant mieux. Tu sors du boulot, tu bosses enfin, je crois. Oui. À l'hôtel, là. À la Crabby Hotel, oui. Tu officies en tant que quoi ici? Je m'occupe d'organiser les excursions pour les clients. Ah, donc tu connais l'île comme ta poche. Bah oui. Ah oui. Et c'est ça que je voulais te montrer. Ah bah écoute, regarde. Je vous garde à vous, je suis parti. On y va? On y va. Allez. En avion, là on voit l'île vraiment très distinctement. Et ce qui est frappant, c'est à la fois la couleur des lagons, là, elles sont sublimes. Et puis il y a aussi cette île qui est très très plate. Pourquoi elle est aussi différente des autres? Là, c'est une île de coral. Ce n'est pas une île volcanique. D'accord, c'est corallien. Corallien. C'est ouais. Pour cette raison. Et l'île vit principalement du tourisme. Est-ce qu'il y a des ressources qui émergent? Ah oui, on a le rhum, on a la pêche. D'accord. La Barbade, c'est vraiment un pays qu'il faut visiter. On a beaucoup de choses à faire. On a des grottes, on a des réserves naturelles, on a du soleil, on a de la plage blanche. On a toujours l'un des meilleurs rhums du monde. Ça, je l'ai entendu dans tous les pays de la Caraïbe. Hein. Tout le monde a toujours le meilleur rhum. Hein. Ouais, mais ils ont tous tort, c'est la Barbade. Comment vous qualifiez les Barbadiens? Quel est votre tempérament ici? Les Barbadiens sont très fêtards. Très joyeux, très amicaux. Alors pourquoi tu dis les Barbadiens sont? Tu ne te considères pas comme Barbadien vraiment? Ben moi tu sais Jérôme, je suis à moitié belge, à moitié Barbadien. J'ai grandi en Belgique jusqu'à ce que j'ai 16 ans. C'est ton papa qui est Barbadien? Mon père est Barbadien, oui. D'accord. Et ma mère est belge. Je suis venu en vacances à la Barbade et puis je suis tombé amoureux de l'île. Et puis surtout, je suis tombé amoureux de ma femme. Ah, t'as rencontré ton épouse ici? Oui. D'accord. T'as gardé un petit fond d'accent belge, hein? C'est merci. Bruxellois, c'est... Oui, ouais. C'est bruxellois. Ouais, d'accord. Et alors, Rihanna, la chanteuse Rihanna, elle est barbadienne? Elle est barbadienne, et alors, elle habite où? J'allais lui faire une bise, quand même.
Elle est chez toi. Elle est chez moi? À Paris. Non. Oui. On s'est raté. Vous êtes raté. C'est vraiment bête. Elle va être déçue de ne pas me voir. Ah ben oui. On aurait dû s'appeler. C'est vrai. Ici, c'est le marché du poisson, Oystins. Et je voulais que tu manges un truc spécial de la Barbade. Une spécialité barbadienne? Ouais. C'est quoi la spécialité, dis-moi? C'est le poisson volant. Ah, poisson volant. Ici, c'est l'un de nos plats nationaux. Et moi, j'achète toujours mon poisson désarrêté. Mais là, si tu veux, il y en a un en entier. Ah, c'est ça, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Can I take one? Yeah, yeah. Thank you. Ça, ce sont les nageoires, les ailes. Oui, oui. Et en fait, ça fonctionne un petit peu comme le colibri. Ça bouge très, très vite. D'accord. Et ça le permet de faire à peu près 10 mètres au-dessus de l'eau avant de retomber dans l'eau. D'accord. Et cette technique, c'est pour échapper aux prédateurs marins. Donc, ouais. Il s'échappe de l'eau pour ne pas, pas se faire attraper. Manger. D'accord. Voilà. Bon, ben, alors on va se cuisiner ça pour ce soir. Merci, madame. Thank you very much. Thank you very much. Right. Have a nice day. Have a nice day. Les tortues là? Oui, oui. Et avant que tu repartes, on aura l'occasion de nager avec elles, j'espère. Ah oui, tu vas m'emmener en mer, c'est vrai? Oui, oui. Waouh. Ça, c'est l'une des meilleures attractions de la Barbade. Si l'eau est si limpide, c'est que la Barbade est une île calcaire. Le sable blanc laisse les nuances de bleu s'imprimer en camaïeu. Cette plage a récemment été élue la plus belle plage des Caraïbes. Le sable est légèrement rose. C'est dû au corail et au calcaire de l'île. Du coup, il ne brûle jamais et c'est vraiment une sensation très agréable d'avoir les orteils dans le sable. Canadien, William est venu s'installer à la Barbade. L'appel du bleu. À chaque fois que je prends une photo, les gens me demandent si elle est retouchée. Alors je leur réponds que non. Le paradis, ça ressemble à ça. William est photographe dans cet hôtel de luxe. Le tout premier construit dans toute la Caraïbe à la fin du 19e siècle, quand la Barbade était une possession britannique. Le bâtiment au fond, c'est l'hôtel d'origine. Les briques rouges que l'on voit datent de l'époque où les bateaux marchands venaient d'Europe à la Barbade. Il leur fallait du poids dans les cales pour faire la traversée. Donc, quand ils arrivaient ici, ils laissaient les briques sur l'île pour charger les cales de canne à sucre. Les premiers vacanciers, principalement de riches marchands anglais, laissaient leurs chevaux aux étables. À l'époque, un escalier a été creusé à même la falaise. Au début du 19e siècle, ce n'était pas acceptable pour une femme de se baigner sur la plage. Alors ils ont creusé ces piscines naturelles pour que les clientes de l'hôtel puissent prendre des bains à l'abri des regards. Depuis, le tourisme s'est développé. Le long de la côte, les hôtels et les marinas se sont construits. Mais l'île veut conserver le charme de la petite Angleterre. Emma est organisatrice de mariage. Vous serez sur les marches avec le voile et la traîne et vos invités autour. Emma accompagne Christa et Charles. Ils ont grandi aux Caraïbes et se sont rencontrés à l'université d'Oxford. Ils vont se marier ici. Comme eux, nombre d'Européens convolent à la Barbade.
La Barbade est l'une des premières destinations de mariage des Caraïbes. Les gens choisissent la Barbade parce que l'île offre tout le confort et le luxe de la maison, mais avec la beauté et le soleil des Caraïbes. Vous pouvez avoir un charmant mariage, ambiance surfeur, mais aussi un mariage très élégant. Pour ses clients, Emma est toujours à la recherche du décor de rêve et de volupté. Aujourd'hui, une villa à la plage, dissimulée sous les cocotiers, 13 000 $ la nuit. C'est une magnifique fenêtre sur la mer. Toutes les pièces de vie sont ouvertes. C'est fabuleux pour une soirée. Les gens peuvent jouer du piano, boire des cocktails. Dans le secteur du luxe, les gens viennent à la Barbade pour trouver de l'intimité. Il n'y a pas de plage privée sur l'île. Alors ils veulent être à l'abri des regards derrière un jardin luxuriant. Madonna, Sinatra, Rihanna, tous sont venus prendre un bain de soleil à la Barbade. L'île est devenue la perle chic des Antilles dans les années 70, lorsque le Concorde atterrissait à la Barbade. Star et milliardaire n'étaient qu'à 15 minutes des tropiques en supersonique. La Barbade est toujours très prisée par la jet-set. La côte ouest de l'île, on l'appelle la côte platinum, mais on a des touristes très variés qui viennent ici. Car c'est aussi possible d'avoir des vacances tranquilles, surf à la cool, les pieds dans le sable. La côte sud a une ambiance plus relaxe. Et dire que Christophe Colomb a manqué de peu l'île de la Barbade lors de sa première exploration des Antilles. Ok Jérôme, donc je vais te présenter à mon pote Charlie. Il est skipper et connaît la région par cœur, donc c'est lui qui va nous emmener nager avec les tortues aujourd'hui. J'espère. Et Charlie, t'as intérêt à nous trouver des tortues aujourd'hui, hein? Vous voulez voir des tortues? C'est ce qu'on veut. Alors les gars, ce sera ma mission numéro 1 aujourd'hui. Et je peux vous assurer que vous ne serez pas déçus. Ok, allez, on parie. Pari tenu. J'achète pour voir les tortues. Ça va être un jeu d'enfant. Easy. Waouh! Ils sont plusieurs, ça y est, t'as vu? Il y a deux espèces qu'on a vues aujourd'hui. Ouais. On a vu les oxbill avec le bec pointu, ouais, qui sont un peu plus massifs. D'accord. Et puis t'as vu les tortues vertes, oui, celles qui ont le visage un petit peu plus plat. Ouais. Il y en a une derrière toi d'ailleurs. Et il y en a une derrière moi. Ouais. Ah ouais, ouais. Ce qui est assez génial, c'est de pouvoir les approcher comme ça sans qu'elles soient vraiment apurées par l'homme, quoi. Non, elles sont pas farouches. En tout cas, merci, je suis très heureux d'avoir fait ça. T'as choisi le bon endroit. Ah, c'est un vrai bonheur. Jérôme, ah, t'as commencé à cuisiner. Ouais. Bah, fallait m'appeler. Je vais t'aider. Alors, comment tu cuisines ça?
Alors je le trempe dans de la farine et du sel et du poivre, un peu comme chez vous, la meunière. Très bien. Avec des petits piments locaux. Ouais. Et puis, on le frit à la poêle jusqu'à ce que ce soit brun des deux côtés. Ok, bah attends, je vais t'aider à faire tout ça alors. On va faire goûter ça à ton copain Charlie. Qui t'a appris à cuisiner, toi? Moi, c'est ma grand-mère. Je la regardais. Et comme j'étais un grand fan de poisson volant, je me suis dit à un de ces quatre moments, grand-mère, il faut que tu montres comment ça se fait, là. Ouais. Et là, elle m'a montré, et bon, et spécialement de cette façon-là, c'est l'une des façons les plus simples de la faire. Ouais, bien sûr. Ouais, frit à la poêle. J'ai commencé mon voyage sur un bateau et je le finis sur un bateau. Ça me plaît assez. Bien, hein. Ça me plaît assez, je crois que je suis très très chanceux, là. J'adore ça. Mais les Caraïbes, c'est vraiment ce qu'il y a de vrai. Si tu veux vraiment avoir une vie de paix, et Joe, il faut venir vivre à la Barbade, mon frère. Allez, c'est le moment de déguster ton poisson volant. C'est très bon. Un poisson très charnu. Il est bon le cuistot, hein. Très bon. Le petit piment là, ça vient donner une petite touche qui relève à la fin, c'est très bon. Ça a du goût. Congratulations, bravo. J'ai goûté ce magnifique rhum barbadien. Cheers. Merci pour tout. Merci pour l'accueil. Avec plaisir. Et ces beaux moments passés, j'espère que vous les avez partagés aussi bien que moi je les ai vécus. Je vous dis à très vite pour de nouvelles échappées belles, dans des décors aussi somptueux, je l'espère. À très vite. Bye bye. Bye bye. Bye, bye. C'est quoi la danse à Saint-Lucie? Comment on danse? Vas-y, tu vois.